Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it.
I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfucker don't know how to act. Yeah. Don't let me make up for the things you lack. Yeah. 'Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to the bridge. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm a slave. I'll let you with me if I misbehave. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Sexy back. Yeah. Your mother, watch your eye attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back. Yeah. 'Cause she'll burn it up for me, and that's a fact. Yeah. Take it to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. What you're working with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. You ready? Gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge.
S'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers. Gardien de but, c'est trop fastoche. Suffit d'enlever les mains de ses poches. Mais gardien de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Et re tout le monde, c'est Benny et Viking. Et c'est l'heure de l'instant débat. Nous allons débattre avec vous de choses totalement futiles et qui ne servent peut-être à rien. Le débat de ce soir, c'est Le plan de Macron sur les crises sanitaires, non? C'était pas ça. Si, c'est ça. Donc le plan de Macron. Attends, faut mettre un chronomètre, faut mettre 10 minutes. Le débat durera 10 minutes. Hein. Oula vache. On met 10 minutes, hein, comme d'hab. 5 minutes, ouais, 5 minutes, pas de 5 minutes, désolé. Moustique, attention, attendez, on met un chronomètre pour pas se perdre. Faudra pas parler avant sa prochaine chronomètre. Je garde la tête froide, mais je mange mes pieds. C'est bon, j'ai le chronomètre. Hein. Ah, ben je vais mettre. 5 minutes, hein. J'ai mis 5 minutes, ouais. C'est bon. Alors, on va parler de la crise sanitaire. Vic, est-ce que tu as un petit mot pour commencer sur ça? À toi l'honneur. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Ben déjà le déconfinement actuel qui est en train de se mettre progressivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est abruti.
Viking a des. Se prend une aide. Franchement, t'as des arguments. Non, moi je pense qu'on va se faire baiser à la fin en fait. On nous dit de tout donner maintenant, de tout se passe bien. Et tu vois, je sens qu'on va être reconfiné pendant encore un an. Ça fait un an qu'on est confiné, les enfants, donc on va se retrouver reconfiné. C'est que n'empêche, on va pas le temps passer. Eh, hey, couscous. Non, plus sérieusement, je trouve que de la part de chefs d'État et de tous ces assemblements là d'abrutis, je trouve qu'il y a une enculerie, on va dire ça comme ça, une enculerie de la part de l'État. Tout simplement, on nous confine quasiment pendant un mois, du mois de début, mois de... Non, mais pas deux mois, mois d'octobre jusque en mi-décembre. Et ce que je comprends pas, c'est... Ok, tout le monde travaille, tout le monde va à l'école, mais quel confinement on parle? Parce qu'il est inexistant, les commerçants commencent à réouvrir. Alors, attention, c'est très bien, au contraire, il faut que justement les commerçants puissent ouvrir et vivre. Mais il y avait d'autres solutions qu'un confinement, un demi-confinement, voilà, que ça touche une partie des travailleurs et pas les autres. Donc même les écoles, c'est pareil, c'est infesté de Covid, on va pas se le cacher, c'est que de la connerie. Et moi, ce que je trouve bizarre aussi, c'est la réouverture à partir du 24 jusqu'au 31. Est-ce que toi, ça te choque ? Moi, ça me choque parce que, un, j'ai un petit frère qui va à l'école. Son collège, ils sont... Dans l'école, ils sont 625. Et sur 625, ils sont 200 et quelques à être malades, atteints du Covid. Soi-disant, ce Covid ne doit pas toucher les enfants. Hein ? Et dans les magasins, les enfants ne portent pas de n'ont sont pas obligés de porter un masque, mais ça va, à mon avis, changer. Les lycéens, je vois des potes qui sont au lycée qui ne peuvent pas aller au lycée parce qu'ils sont atteints du Covid, donc le Covid atteint partout. Et on a un message de Fenen. Moi, je pense que les riches vont s'en mettre plein les poches et que nous, ça va être la merde. Je connais un patron de petit commerce. Il m'a dit qu'il n'y a plus une tenue et qu'il n'a pas su de. Hein ? Pas sûr. Qu'il n'est pas sûr de tenir. Ah ! Les petits commerces, c'est encore autre chose, mais ça fait partie de la crise sanitaire. Hein. J'ai une tante qui a une très grosse boutique en couture, qui fait de la couture, hein, qui fait du prêt, qui crée ses propres, qui a sa propre marque, qui crée du prêt-à-porter, du sur-mesure. C'est une couturière, une costumière et une modéliste design couture. C'est-à-dire qu'elle s'occupe vraiment de A à Z des costumes et tout. Et c'est la merde, mais voilà, ils font comme ils peuvent et l'État ne les aideront pas. C'est pas une question de riches parce que les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres et ça changera pas. Le seul truc qui va se passer, c'est que ce qu'on remarque, c'est que tout augmente et l'argent baisse. Donc un jour, on n'aura plus besoin d'argent, il faudra payer de temps de vie en fait. Et d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui font le plein d'essence, vous avez vu que le plein d'essence a augmenté alors qu'avant il était à 1,19, maintenant il est passé à 1,36. Les gilets jaunes, bougez votre cul. On vous attend. Voilà. Non, mais c'est de la connerie tout ça. Il faut, à mon avis, retourner le pays. Alors bon, on est sur YouTube, ok, mais la question est vite répondue. Enfin, on dirait qu'on est des diagnostiqueurs là, non, mais c'est vrai, quoi. On va se torcher la gueule du 24 jusqu'au 31 pour qu'au premier, on va finir avec 60 000 infectés et ça va être le record battu européen et peut-être même, bah ouais, de... Bon, non, pas du monde, parce qu'il y a beaucoup plus que nous. Mais européens, déjà, nous sommes largement supérieurs à l'Italie et en Espagne. Hein, faut le croire, parce que, bon, ce qu'ils nous disent les médias, ils font ce qu'ils veulent. Et ils les comptent même pas sur les bouts des doigts, ils disent au hasard les choses. Si, par exemple, tu es porteur SEM et tu n'es pas au courant que tu as le Covid, et que tu as un accident de voiture et que tu meurs sur l'accident de voiture, c'est pas l'accident de voiture qui t'a tué, mais c'est le Covid. Voilà. Ou alors, bien sûr, un infarctus, bien évidemment. Moi, je pense que. Tous dans le balai du filet. Moi, je pense mais que. Bon, c'est de la connerie. Et pour les 20 secondes qui restent, je dis qu'il faut limiter les déplacements avec les familles, se retrouver vraiment avec les personnes que vous connaissez. Et au maximum, au moins 10 personnes, même si c'est pas beaucoup pour une fête de Noël. Et le jour de l'an, restez chez vous. Et même pour la veillée. Moi, je rajoutais ces 2-3 phrases que. Jules, c'est. Ça a fini, mais moi j'ai pas pu parler mon truc. Donc pour finir, pour clore ce débat, je vais, parce que c'est la fin du débat, ça dure 10 minutes. Ah non, on les augmentera parce que je trouve que c'est court quand même 5 minutes, mais on verra ça avec vous. Non, on va pas
parler toute la soirée. Mais non, de, pas, toute la, pas toute la soirée. Mais je finirai ce débat pour dire, pour en même temps répondre à la question de phénomène. Jules César a dit donnez au peuple du pain à boire et des jeux, et vous équitera comme des moutons. C'est tout pour moi. Sinon, n'oubliez pas de partager la chaîne, parce qu'aujourd'hui on le fait sur la chaîne de Viking, mais demain on le fera sur la chaîne de Sexy FM. Vous pouvez la rejoindre depuis le Discord ou depuis nos réseaux sociaux. Si vous voulez nos réseaux sociaux, je vous les enverrai par chat, par le chat actuel, demandez-nous-les. Et en plus de ça, n'oubliez pas que vous pouvez choisir le prochain débat pour demain, en discutant dans le chat aussi, ou sur Discord, on mettra un sondage, demandez-le, proposez un sondage. Pas forcément, ça peut être des sondages cons, hein. Par exemple, pourquoi les chats retombent sur leurs pattes, ou si est-ce qu'on met une chat avec une tartine, le chat il fait une toupie. Voilà, ou pourquoi Marine Monroe elle s'est peint le cul en rouge. Bon voilà, c'est tout pour nous, on relance une musique. Et on relance quoi comme musique, mon cher Viking? La SketchUp. C'est parti pour la SketchUp et Loulou. Para Diego la canción más deseada.
Start to glow, and I know.
cats are jumping off the deck, shoving into overdrive.
le petit instant publiloulou. J'espère que la musique vous plaise. On essaie de faire une playlist de qualité. Viking ne peut pas parler pour le moment car il a les mains occupées. Je fous la dinde. Je fous la dinde avec les mêmes. Non, non, on est occupé et c'est petit instant pub. Donc je vais vous parler de choses très importantes pour nous. On aimerait atteindre, franchement, il n'y a que grâce à vous qu'on pourrait le faire, mais les enfants, il faudrait que grâce à vous, on arrive à atteindre au moins les 100 abonnés à la fin du mois de décembre. C'est possible. Les 100 abonnés à la fin du mois de décembre. Pas sur la chaîne de Viking, on y est déjà, donc continuez à faire augmenter. Mais je parle sur la chaîne de Sexy FM, que je vais vous montrer de suite, si j'y arrive. Je vais mettre Sexy FM d'un côté. Et de l'autre côté, je vais mettre la chaîne Twitch, parce qu'on est en Twitch aussi. Et si on arrive au 100, je ferai l'Instagram de Sexy FM. Et après l'Instagram de Sexy FM, je ferai... Après l'Instagram Sexy FM, je m'occuperai de faire... comment ça s'appelle ? Un groupe Facebook, ou déjà il y a le Discord que vous pouvez rejoindre. Donc voilà, vous pouvez venir plusieurs fois. Si vous voulez que je vous l'envoie personnellement pour que vous ayez plus de chances de le trouver, parce que vous n'arrivez pas à le trouver, je vous l'enverrai. Vous pouvez facilement le trouver sur YouTube en tapant Sexy FM, de toute façon il n'y a que nous. Hein. Vraiment que nous. Voilà. Si vous avez des idées de musique, vous pouvez aussi les déposer sur le Discord. On regardera et on avisera si c'est intéressant. Parce que parfois, je vais pas dire les loups, mais vous envoyez de la merde. Voilà, je mets vite fait ça. Voilà, donc Sexy FM que vous pouvez voir ici. Attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà, il est bien, il est bon. Non, non, ça c'est Viking Skull. Et Sexy FM qui est ici. Voilà, on n'a pas d'abonnés, on n'a pas encore mis de vidéo, donc on fera une playlist live et on fera aussi des petites vidéos à part. Moi j'en ferai en tout cas, avec Viking on en fera des petites vidéos à part. Sur certains trucs, par exemple, si on fait. Parce qu'on compte faire certaines conventions. Donc on vous les montrera et on s'amusera tranquillement. T'as mis la musique. Donc, on va. Donc pour l'instant, voilà, vous pouvez venir ici. Je mets le lien. Je vous mets le lien ici. Et en attendant, on met un petit jingle d'attente. En attendant qu'on mette une musique qui sera là dans quelques instants. Et bonne soirée sur Sexy FM.
flying by, away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're seeing below, 'cause I'm miles above.